Hey McFlurry, j'ai besoin de toi, man. Vas-y, y'a beaucoup de trucs à souffler, certes. Et voilà. C'est un peu whack, là, mais c'est ça la solution, man. Ok, reviens ici de Gumbella, man. Ok, good. Now what? Now what? Y'a-tu quelque chose derrière cet arbre-là, man? Non? Ok. Comme je vous dis, d'info, y'a des items derrière les arbres. C'est encore McFlurry que j'ai besoin ici, t'sais? Ouais, ok. Ok. Puis ça rachète rien. Parfait. Et, whoops. Et voilà. Perfect. We bugging that fucking rock up, baby. Ok, good. Puis, ben voilà, man. On vient de figure out le puzzle le plus dur de Paper Mario Thousand Year Door. holy fuck, man. Holy fuck, bro. Il come with the okidoke, tabarnak. Viens t'ajustera, man. Parce que tout est assez bon pour justement dealer du damage à eux autres. Tu sais quoi, je vais attendre ici. Jusqu'à temps qu'ils me voient, man. Je suis patient, tabarnak, hein. Where the fuck you going? Ok, ok. Bro. Fucking piece of shit. Oh fuck! Oh man! Alright. Ok, bon ben finalement j'aurai pas besoin de Jutra, j'aurai besoin d'un Quick Armor parce qu'il y en a juste fucking trop. Parce que techniquement je fais aussi les Gulp pour qu'ils s'assomment l'un à l'autre puis ça nullifie leur defense puis whatever. Vraiment bon, mais Quick Armor fait aussi la job, fait que. Et voilà. Combat fucking facile, I'm telling you that, pis je pensais que je les voulais bientôt, mais ce n'est pas le cas. Fais un stylish Mario, man. Besoin de Star Juice. Thank you very much. Good, good. Donne-moi tes rires. C'est quoi ça? Un Shine Sprite. Hey, hey, Yimmy, yeah. Je pensais que c'était un item, mais non, c'est un Shine Sprite. Good, good, good. On est rendu à la place, man! Fait que, guys, qu'est-ce que vous avez vu, là, genre, cette marche de, dans cette forêt-là, là? Maintenant, soyez habitués que je refasse leur chemin 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 × 12 d'affilée. Éventuellement, dans le chapter. C'est pour ça que j'aime pas ce chapter-là. Il faut toujours que tu reposes en forêt, que tu retournes à la ville, que tu retournes au château, que tu retournes à la ville, que tu retournes au château, que tu retournes à la ville, que tu retournes au château. Anyway! Ça, c'est pour plus tard. Plus tard dans le let's play, man. This is Grippy Staple. That's nasty monster place. This place wakes me out. Look, Gonzalez, let's just get that crystal star and get out of here fast. Yeah, sure. Hey, I'm gonna heal me up, baby. Yeah, man. Give me that sweet checkpoint. Sure. On va pas aller dans le puits de suite, là. Anyway, ça sert à rien. Je sais, il y a des monstres en dessous du puits. Tu pourrais techniquement farmer le shit. Mais pas de suite. Et voilà, bro. Et voilà, c'est sûr, il y a quelque chose ici. C'est sûr, il y a quelque chose ici. Non? Ok. Je pense qu'il y a quelque chose d'invisible ici d'eau, mais il faut un certain partner pour justement découvrir ces affaires-là. Fait que, pas de suite. Ok, maintenant, welcome to the place. Welcome to the place où c'est que je vais passer 50% de mon temps, I guess. Il y a quelque chose ici, vous pouvez aller là, et voilà. Puis, il y a un Shine Sprite, et puis il y a quelques affaires. Dont, un livre, cookbook, pretty good. Il y a un Star Piece ici. Pis si ma mémoire est bonne, je ne vais pas ouvrir ce coffre-là parce que, justement, je suis trop Gary, j'ai trop d'affaires. Je crois que c'est un Ultra Shroom. Je suis pas sûr, fait que je vais pas l'ouvrir. Check it, ben, ici, dans le fond, c'est un badge, pis je sais pas, man. Mais l'affaire, c'est que, comme je dis, mon inventaire, il est trop fucking plein, pis ça me tente pas de waste quelque chose pour... Ben, que ce soit un Ultra Shroom que je vais même pas me servir anyway. Fait que là déjà, c'est quoi qu'il faut que je fasse cette là? Ah oui, il faut que je pousse this shit. Alright.
Et voilà, man. It's done. Ah, ça, c'est une job pour McFlurry, man. Putain, man. Oups, mauvais bord, man. Mauvais bord, et voilà. Apprends à souffler, Chris. Ouais, il y a quelque chose ici de caché. Star badge. Ça, je sais, star badge. Flower Saver. Drop a quick use when Mario attacked by one. Ouais. C'est mon deuxième, right? I guess que je vais les sort parce que... Flower Saver. Non! Ok, je pensais que je n'avais un... Ah! Même moi, il me semble que ce badge est calissement bon, là. Not gonna lie. Fait que... éventuellement, mais que j'ai assez de BP for all this shit. Y'a rien à gauche? Non. Ok. Par contre, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans cette porte, là. Pis... y'a rien par là? Non. Je peux-tu aller par là tout de suite ou c'est barré? C'est barré. Ok. What the fuck is this? Eeeh, oh, beau boy. Hey, des fantômes. Wouh! Wouh! Et voilà. Ok, it's quiz time, interlopers. Just now, when the box opened, how many of us boosts came out total? Je connais la réponse, c'est 200. Finalement, c'est lui qui me donne le Ultra Shroom. Maintenant, je m'en souviens. Good, very good. Take this, Matt Ned. See you, sucker. Si je laisse là, est-ce qu'il despawn ou whatever? Je vais même pas y toucher, en fait. Sincèrement, si je le perds, je m'en calisse. Alright, y'a pas de l'air de despawn ou whatever, mais si je sors de la pièce pis que je reviens, par contre... Est-tu encore là? Non, il est plus là, man! Fuck ton Ultra Shroom! Ok, whatever. Ultra Shroom serait bon. Well, too bad, I guess. Je l'ai perdu, là, mais... à ce stade-ci du jeu, c'est pas vraiment bon. Éventuellement, il y a des party members où c'est que leur HP vont genre être de 40, puis... Je pense que 40, c'est le maximum. Puis pour eux autres, c'est vraiment bon. Pour Mario, ça suck, là. Ça sert à rien, là. Mais, voilà. Ah, oh, bro, il est triste, man. Why the lonely face? Are you going to be mean to me? Now. Promise! Come on out, guys. Ah, shit, there's a lot of people. Alright. On va faire un boss aujourd'hui. Un boss secret. Optionnel. Complètement optionnel. Si vous vous laissez faire... Là, il y a des fantômes qui commencent à vous agripper. Ils vont vous sortir de la place. Mais si vous faites tout le temps agir votre marteau comme ça, well, là, ils vont être piss mad. Hey! Oh! Hey, you said you'd be nice! Let's get them, guys! Puis là, ben, ils vont se former en King Boo, man! C'est le seul boss optionnel de ce jeu-là. Yeah! Et voilà. On va le faire pareil parce que il est facile. Really, là. Je me souviens plus de ses attaques, mais je me souviens plus non plus de ses stats. Je pense qu'il est quoi? 40 HP puis 4 d'attaque? Ouh! C'est pas beaucoup, man. Ok, c'est quoi tes stats, là? Atomic Boo. C'est pas King Boo, c'est Atomic Boo. Atomic Betus. attendez, c'est bon, le Boo. Exactement, I fucking called it, man. Ce boss-là va être une joke. This thing will try to smoosh up, also spill up and send ungraded boos at us. And when we attack, we might get so scared that we get confused or can't move. Ah, c'est vrai. I wouldn't want to see this thing standing behind me in the middle of the night. Creepy. Ok. C'est vrai, ça par contre, c'est un élément que j'avais oublié, mais... On va powerlift. Aucun fucking problème, man. On va tellement powerlift hard que ce boss-là va me faire absolument rien, man. Et voilà. Ouh, oh fuck, j'ai manqué un. Oh shit. Ok, good. Un autre defense. Non, un autre defense. Fuck. Chris, j'ai passé sur A en plus. J'en ai eu de la merde. Whatever. Oh shit.
Là, il faut que je spam. Alright. Ah. Ouh. 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 Ah, shit, on est immobilisé. Oh, well. Oh, my God. Ok. Ok. I'm not liking this. I'm not... Ouh. Ok. Fuck, man, on a tellement été immobilisé longtemps que finalement... Ça va être un challenge. Ok, ça va être un challenge. You know what? I like me a good challenge. Fait que... On va... Qu'est-ce qu'on va faire? Power bounce? Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Ouais. Ou tu sais quoi? Yeah. Ok, good. Parfait. Maintenant, j'essaie de Star Juice pour whatever. Puis, Goombella, man. Tu sais quoi, on va utiliser des items ici. Courage Shell à Mario. Et voilà. Plus de def pour Mario. Defense is boosted. Oh, en plus, toi, tu me boostes la def en plus, man. Oh, bro, ça va être une joke. Decrease the damage you take, bro! Alright, fais-moi tes attaques aussi. Nice! Ça m'a fait à rien! À rien, Mario est juste trop fucking jacked up, aussi. Power Bond, c'est le move que je dois faire, man. Et voilà. Je dois booster mon Star Juice parce que sinon, je peux kind of mourir, man. Les Immobilize, not gonna lie, m'a fait un peu peur. Gobella aussi, elle peut faire multibank. Tu sais quoi, on va le rush to death. Et voilà. Ok, good. Ah, shit. Alright, parfait. We dodging those. Alright. Now what? Ok. Je peux le rusher à mort. Fait que c'est ça qu'on va faire. Ok, good. Puis, Goombella. Manque pas ta shot parce que si tu manques ta shot, on est mort. Good. Parfait, j'avais peur pendant 10 secondes. Ouh. Ok. L'immobilize m'a vraiment fait peur. Hey, on give a fuck. Il drop un badge. Puis ce badge-là, Lucky Start. Make something good happen when you first enter battle. Je crois qu'il coûte une shit tonne. Non, never mind, il coûte 4. Je pensais qu'il coûtait genre quelque chose comme 7. Je veux dire, Star Badge de plus, puis ils disent make something good happen when you first enter battle. On sait pas quoi, mais c'est toujours quelque chose de positif, fait que I'll take that, man. Ok, fait que là, Mario is pretty fucked up, puis à cause de ça, on va aller se healer, man. I didn't like that battle too well. Et voilà. Good aussi. Pour 10 cents, tout restauré, man. That's a cheap alternative. Là, tu sais quoi? Moi, aller collectionner le chest que je pensais que c'était un Ultra Shroom. Hey, y a des bouts à cette heure. Tu sais quoi, man? Laisse-moi fucking tranquille, là, c'ti. C'est quoi ça? Ice Smash, never mind Star Badge. Freeze the foe into immobility. C'est combien ça? 3? 1. Ok. Mais. If executed, Super Bliss will freeze. Wearing 2 or more of these badges require more FP for the move, but enemies stay frozen longer. Ok, intéressant. Intéressant. Le freeze status dans ce jeu-là, c'est pas vraiment un élément que je prends souvent en considération. Mais intéressant, ok. Whatever. Hey, toi, by the way, viens t'aille 7, man. Je veux voir si tu me donnes beaucoup d'expérience ici. Si tu me... What the fuck, bro? C'est quoi vos systèmes?
Gumbella les a déjà tall. Ok. C'est quoi? Lui avec le mini master mini me fait peur parce que. Je veux dire, eux autres, c'est rare que ça marche leur item, mais quand ils nous font leur item à nous autres, par contre, là, c'est une autre histoire, là, ça marche quasiment fucking tout le temps. Anyway. Utilise-le ton Nessin Mushroom, j'ai pas peur. Et lui, il sera un. Oh, fuck off, man! Alright, whatever. Fucking crève, si. By the way, il donne 3 expériences, man, c'est fucking bon. Bro, je voulais fucking headbunk l'autre, crétin, mais whatever. Ah, le timing est weird. Alright, c'est quoi? Fucking dead. You fucking dead. Et voilà. Puis headbunk that motherfucker up, yo, et voilà. Et vous quoi, il va se rendre invisible? Non. Fuck, man, mon timing est weird. En toute chose, je veux genre me sweet treat pour avoir le plus d'HP avec Mario, puis après ça, on va reprendre le combat, man. Ok, good. C'est cette HP, c'est nice, nice, nice. Mais maintenant, on va le tuer avec Gumbella. That's it. That's all. He's dead. Tout ça pour 12 expériences. Si le dude peut double mes expériences. Non? Ok. Fine. Whatever. 12 expériences, c'est fucking bon. I'll take it. S'il y a d'autres boom, man, je vais toutes les tuer. Bro, c'est de l'expérience fucking gratos. Oh non! Oh, what the fuck, ça a fonctionné? Whatever, I'll take it. Et voilà, je suis encore une beast pour Earth Tremor. Earth Tremor, all that boo up, yo, ici. Et voilà, bro. Et voilà. M'a skippé ça, le combat-là, man. Ok, sure. Je suis déjà à 15, ici. C'est vrai, quand je fais un bingo, ça refill le monde dans le public. Ça, j'avais oublié. Fucking grève, cette nuisance! Alright! Thank you! Next! Maintenant, c'est qui que je tue, SC? I need to kill people! Alright. Alright, viens-t'en, man. Yeah! M'a allégé ta souffrance, même si t'es déjà techniquement mort, bro. What the fuck? Oh fuck, j'ai messed up le shit! Nice turn, bro. Nice fucking turn. Tu viens de waste ton fucking turn juste pour monter dans les airs. Alright. Merci pour... Double mes expériences. Bro, t'aurais dû double mes expériences quand je n'avais 12 aussi. Oh, man. Whatever. I'll take it. Et voilà. Oh, bro, il drop un item. Slow Shroom, ok. I guess. 4 expériences encore! 91! On est bientôt à un autre niveau, man! Et il n'y a plus de boue. Nice! Awesome! Maintenant, well, il y a des boues au deuxième étage, mais maintenant c'est justement ça qu'on va faire. Allez au deuxième étage! J'ai-tu quelque chose ici avant? Non? Parce que vous aimez ça, cacher des trucs dans le. Dans le foreground, background, whatever, man? Ok. Now what? Hey yo, what's up, toi? What the fuck, ça a fonctionné? I'll take it, though. Oh, bro, fuck son truc. Yeah, mort. Il donne 3 aussi, eux autres, bro. Eux autres auraient été bons pour throw, armor throw, whatever. Le badge que j'ai eu probablement l'épisode passé, parce que là, ça fait quand même un petit bout que j'ai eu ce badge-là. Mais... That's a super, yeah. Wow, that's some. That's some awesome. Ok, 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 ok. Au début, je pensais que c'était un typo, genre. That's some awesome naming work. Seriously, it's pure naming genius. Yeah, so anyway. Max HP de 3. 6, je veux dire, attaque de 3. Quake Hammer fonctionne. Et je pense qu'ils vont, genre, être déstabilisés, pis ouais, c'est ça. Very nice. Fait que là, eux autres, ils suck le HP, d'eau. Non, never mind. Je me mélange avec des fuzzy, en fait. What the fuck, bro? Bro, come on, timing. Oh, ok, whatever. J'suis à 1, man. Je pense que c'est la première fois dans ce let's play-là que j'suis à 1. Je vais pas crever, là, mais... Non, juste pour être on the safe side, legit, je vais genre sweet treat, là. Mais bro, man, what the fuck que je suce autant avec éviter les attaques des ennemis?
Et voilà, 6 HP, thank you very much, man. I need all their life, esti. Alright, let's bunk this guy up, là, pis je crois qu'on level up anyway après ce combat-là, fait que... ça vient ta, man. Ok, thanks. Et voilà. Good! C'est comme si, genre, leur attaque était tellement lente que, genre, je m'attends à quelque chose de plus vite, pis à cause de ça, je suis comme déstabilisé, pis je suis comme « Oh fuck, faut que j'évite tout de suite », mais alors que j'ai comme... peser le bouton beaucoup trop tôt, you know what the fuck I mean? Sûrement pas, man. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'on level up, ici. Good, sweet, level up. Parfait. Now what? C'est quoi? Je sais exactement quoi faire. Give me some BP, first thing first. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelque chose... que je peux enlever de dans mes badges parce que je l'utilise pas, on va se le dire. Le multi-bounce, c'est rendu un peu désuet ce stade-ci du jeu. Mais là, à cause de ça, j'ai maintenant 4 badge points. Je pourrais équiper mon Lucky Start que j'ai eu avec la fête du Atomic Boo. Ou bien sinon, Flower Saver, c'est bon. Sérieusement, là, c'est vraiment bon. Fait que je vais voir qu'est-ce que je peux bien faire, là. Sinon, une stratégie winner, I guess, que je viens juste de penser live right now, c'est que je peux booster as fuck l'attaque de Mario, mais que j'ai une shit tonne de BP, puis descendre l'attaque de Mario de 1 éventuellement pour restaurer mes FP, puis plus avoir de problèmes avec mes FP, ce qui serait vraiment fucking nice, mais ça drop l'attaque de Mario de 1. C'est une stratégie, mais... je suis genre de dude qui adore ce genre de stratégie-là. Fait que, anyway, on verra ça éventuellement en temps et lieu, là, mais maintenant... do I put some Flower Saver, man? Alright, j'ai décidé. Flower Saver, bro, let's go. Fait que... ce qui veut dire que maintenant, toutes les moves que je fais, ben... au lieu que ça, mettons, ça me coûte 2 FP, ça va me coûter 1 FP. Au lieu que ça me coûte 4 FP, ça va me coûter 3 FP. Fait que, tu sais, des moves comme maintenant, genre Fire Drive ou whatever... ben, au lieu que ça me coûte 5, ça me coûte maintenant 4. Je veux dire, sure, c'est peut-être... vous voyez ça, puis vous dites, ok, mais de 5 à 4, mais I guess c'est quasiment rien de différence. Sure, ça, je vous l'accorde. Mais Mario, l'affaire, c'est que il y a beaucoup de ses moves des badges que c'est 2 FP. Puis le fait que maintenant, à Star, ça coûte 1, je veux dire, tu viens de doubler ton nombre de moves. Genre, tu sais, genre, j'ai 15 FP. Tu pourrais faire des moves de 2 FP genre 7 fois, puis après ça t'as plus de BP. Mais là avec Flower Saver, je peux le faire 15 fois. Fait que j'ai littéralement doublé le nombre de fois que je peux faire mes moves. Fait que anyway, c'est vraiment calissement bon overall, puis that's it, man. Y'a rien que vous pouvez faire qui va changer mon point de vue, man. Et voilà, je struck the enemies legit en voyant rien. Fait que là, tu sais, c'est ça, comme Aster, Quake Armor était 3, Fire Drive était 5, pis whatever. Mais regardez ça, man! Spin Jump est maintenant rendu 1. Yo, pour 1 FP, cette attaque-là est calissement forte. Anyway. Fait que c'est un calice de bon badge, sérieusement. Pis je sais pas si Lucky Start fait en sorte que... je sais pas, genre, ce soit vraiment worth pour 4 FP. J'ai jamais vraiment porté attention for this shit, sincèrement. Mais en tout cas. Et voilà. He's dead. Good. Puis en plus, avec le badge que j'ai juste d'équipe, Flower Saver, là. Ouais, c'est Flower Saver, ce badge-là que j'ai équipé. Ce serait tellement une bonne technique avec ce que je vous ai raconté tantôt avec descendre l'attaque de Mario de 1 puis faire en sorte que je restaure mon FP pour avoir plein de FP, genre FP Drain. Là. Genre cette combinaison-là serait tellement fucking destructive à mon humble avis. Genre tu peux tellement comme farmer des FP pour que tes partners, leur move te coûte quasiment à rien, you know. Anyway.